l'engagement d'une collectivité dans le sens de l'autoconsommation peut à première vue, je pense, paraître assez vertueux, hein, dans le sens premier, c'est-à-dire réduire ses consommations énergétiques qui sont une des factures importantes, hein, dans le cadre d'une collectivité, dont les revenus, il faut le rappeler, sont en grande partie issus des impôts prélevés au niveau des ménages. Donc chaque réduction des coûts de fonctionnement sont importants. Donc dans un premier ordre, réduire sa facture énergétique en lien forcément avec la partie maîtrise de l'énergie, hein, puisque les deux forcément doivent aller de pair. Mais c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais qui me semble assez important pour des collectivités qui sont engagées dans des démarches vertueuses, notamment lorsqu'on est sur un territoire de plan climat avec le Pays Barois ou de territoire énergie positive, comme c'est notre cas sur la Haute-Saône-Pertois-Val d'Ornois.